Salut les amis, c'est Magas. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Tito Nancy Tech. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment empêcher une personne de télécharger vos images sur WhatsApp, qu'il soit dans un groupe ou bien vous causez avec un ami, du coup vous pouvez l'empêcher de télécharger votre photo sur WhatsApp. Vous savez, vous pouvez envoyer une photo à une personne sur WhatsApp et directement la photo va se télécharger. Et il a la possibilité de télécharger votre photo et enregistrer vos photos là dans son téléphone. Du coup, ce tutoriel va vous aider comment empêcher une personne de télécharger votre image sur WhatsApp. Ouais, c'est possible. Je dis bien, c'est possible de le faire. Avec WhatsApp, il y a des paramètres sur WhatsApp, il faut vérifier. Et WhatsApp, ils font des mises à jour à chaque moment, ils font des mises à jour. C'est un réseau que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup WhatsApp. Nous allons commencer. Je viens sur mon compte WhatsApp, j'ouvre l'application WhatsApp. Sur WhatsApp, je vais essayer d'envoyer une photo à une personne et l'empêcher de ne pas télécharger ma photo. Il peut regarder la photo jusqu'à un certain moment, mais il peut pas le télécharger. Donc j'ai deux comptes WhatsApp. Sur mon deuxième compte WhatsApp, moi-même sur mon deuxième compte WhatsApp, je vais sélectionner une photo dans ma galerie. Je vais sélectionner une photo. Je profite aussi pour vous montrer cette affiche-là. Je fais les affiches aussi. Voici, je fais les affiches. Je fais les affiches. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de me contacter aussi. Je fais des flyers. Du coup, je vais envoyer la photo là sur mon deuxième compte WhatsApp. Donc, voici le bouton vert qui est là. C'est ce bouton-là qui nous permet d'envoyer un document, une photo, n'importe. Maintenant, à côté de ce bouton, il y a un chiffre qui est indiqué. Ça, c'est la durée. Le chiffre indique la durée. La durée empêche une personne jusqu'à un certain moment de télécharger votre image. Donc, nous allons cliquer sur ce bouton qui est à gauche. On clique sur ça. Maintenant, il y a un message qui va s'afficher. Du coup, je clique sur envoyer, le bouton qui nous permet d'envoyer les documents. Je clique sur ça, envoyer. Nous allons attendre jusqu'à ce que ça se charge. Voici, la photo a été envoyée. Du coup, je vais vous montrer que ça marche réellement. Je vais connecter mon deuxième téléphone. J'ai une tablette. Je vais connecter mon deuxième téléphone à mon PC pour vous montrer que le truc ça marche. Ça marche très bien. Donc la personne peut ouvrir la photo, mais il ne peut pas le télécharger. Donc on passe à l'étape suivante. Sur mon deuxième téléphone, ici je vais vous montrer que ça marche réellement. J'ai déjà lancé la photo sur mon premier compte WhatsApp. C'est le deuxième compte qui doit recevoir la photo. Je viens. J'ouvre mon compte WhatsApp. La photo est déjà là. Je clique. Maintenant, je clique sur photo. Ça va se charger, mais ça va pas se télécharger. Et la personne il va regarder votre photo juste là, un certain temps. Voici, il peut pas télécharger ni rien, il peut rien faire. Voici, il peut le supprimer, il peut tout faire, mais il peut pas enregistrer la photo. Donc c'est je fais des designs aussi, hein. Les flyers, les logos, si vous êtes intéressé.
N'oublie pas de me contacter sur mon numéro WhatsApp.